Chéri, attendez. Attention, bon. Monsieur le curé est venu parce qu'il a eu une vilaine tornade. Une mauvaise bourrasque, chère madame. Ah, c'est ça, oui. Une mauvaise bourrasque qui a enlevé le toit de notre pauvre chapelle. Voilà. Oh. Et monsieur le curé désirerait une petite aide financière pour les réparations qui s'imposent. Certes, il semblerait que la solidarité de tous les paroissiens devrait s'affirmer, mais la plupart d'entre eux font la sourde oreille. Eh bien, moi, je n'hésite pas à dire que je trouve ça révoltant. N'est-ce pas? Mais certainement, chère madame. Il est très louable de s'intéresser aux misères lointaines et les secourir. Mais n'a-t-on pas le devoir de se préoccuper au même titre du désarroi de ceux qui nous touchent de plus près? J'estime que c'est un devoir sacré de militer activement dans sa propre paroisse. Monsieur le curé, si ça ne vous intéresse pas, je peux arrêter. Mais pas du tout, chère madame. Il y a aussi le patronage, les fêtes de bienfaisance, les misères à soulager, les malades. Ah, le braconnier! Allez-y, Ludo, ça vous changera les idées. Maintenu de combat, vite! Et pour le toit de notre pauvre chapelle, chère madame? Ah non, oui, enfin, plus tard, beaucoup plus tard. Alors, demain matin, chère c'est madame. C'est ça, plus tard, par là. Pardon.